réglementation des activités des conducteurs de moto-taxi dans la ville de N'Djamena, ces derniers vont désormais porter des uniformes, ceci dans l'optique de permettre aux autorités de mieux maîtriser les clans de mène. Le lancement officiel a lieu ce matin. Moussa Ambodou, Abdoulaye Idriss Omar Idriss. Les conducteurs de moto-taxi de la ville de N'Djamena sont en uniforme. Cet uniforme qui permettra aux conducteurs de moto-taxi, communément appelés clans de mène, d'être identifié facilement à distance par le port d'un dossard aux couleurs variées en fonction des 10 arrondissements de la cité capitale. A ce titre, une cérémonie de lancement officielle s'est déroulée sous le regard du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena. Au nom des maires des 10 communes de la ville de N'Djamena, Mama Salé Moussa salue l'initiative du gouvernorat de N'Djamena. Il est important pour nous maires de rappeler que les motos-taximans exercent une activité utile à la population. C'est pourquoi nous remercions le gouvernement pour nous avoir donné les feux verts pour organiser cette activité. Lançant officiellement le port d'uniforme des conducteurs de moto-taxi, Adago Yakuba, délégué général du gouvernement auprès de la commune N'Djamena, a situé l'importance de cette action. Donc notre objectif, ce n'est pas de vous emmerder, ce n'est pas de vous déranger, ce n'est pas de vous empêcher de faire votre travail. Notre objectif est d'abord de sécuriser notre population. Et c'était le souci des autorités de ce pays. Les clans de mène, quant à eux, rassurent les autorités locales de leur constante disponibilité à se conformer aux nouvelles lois en vigueur relatives à la circulation des engins à deux roues. Et puis les responsables de la commune du 7e arrondissement ont lancé une campagne de sensibilisation auprès des chefs de carrière et délégués des quartiers pour le recouvrement des recettes de la taxe d'habitation. Précision, Christelle Garlemdana. Les autorités municipales de la commune du 7e arrondissement entreprennent des nouvelles stratégies pour contribuer au développement de leur circonscription. À travers une campagne de sensibilisation des chefs de carré et les délégués des quartiers sur le recouvrement des recettes liées à la taxe d'habitation. Autre point inscrit à l'ordre du jour de cette rencontre, l'hygiène et l'assainissement. Le secrétaire général de la commune du 7e arrondissement, Djuma Doumbaye Jonassi, sollicite la contribution de la population à cette initiative. La taxe d'habitation varie en fonction de la nature des matériaux ayant servi à la construction. Les habitations construites avec les matériaux non durables, c'est 3000 francs par ménage. Maintenant, avec les habitations construites avec les matériaux durables, la taxe d'habitation est de 10 000 francs. Et quand c'est les immeubles en étage, on ajoute 10 000 francs par niveau. Du côté du maire Makaïla Djibrine Amat, le développement de sa commune doit engager ses concitoyens. C'est pourquoi il entend intensifier cette sensibilisation à l'endroit de toute la population de sa circonscription pour accompagner les pouvoirs publics dans leur politique d'offrir le bien-être à tous.